Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Aujourd'hui je découvre et aujourd'hui je découvre l'univers envoûtant du pendule. Alors vous allez voir, c'est tout un programme ce soir et d'ores et déjà, avant toute chose, je vais vous demander de vous assurer d'avoir un pendule avec vous. Pourquoi? Parce que mon invité, vous allez la découvrir dans un instant, enfin, va vous proposer en fin d'émission de faire un petit exercice avec votre pendule. Donc, vous allez voir, n'hésitez pas à aller le chercher. Voilà, le temps que je rappelle les petites règles comme d'habitude. Donc, procurez-vous un pendule. Si vous n'avez pas de pendule, eh bien, vous pouvez simplement prendre une chaînette, voilà, que vous allez tenir par la main comme ça pour pouvoir remplacer provisoirement un pendule parce qu'après cette émission, vous allez kiffer l'utilisation du pendule. Alors, ce soir, dans l'univers envoûtant du pendule, eh bien, je suis ravie d'accueillir mon invité, Chantal Vereyen, j'espère que je prononce bien, qui est énergéticienne et qui pratique le pendule. Bonsoir Chantal. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Je suis heureuse de vous rejoindre. Bienvenue dans cette émission sur le guide de la voyance. Alors avant de démarrer Chantal, je vais rappeler rapidement à tous nos invités de s'abonner à la chaîne justement du guide de la voyance pour ne rater aucune notification. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et bien sûr de nous mettre des petits pouces, des petits cœurs sous cette vidéo pour nous dire que vous aimez. Voilà, on aime cette émission, on aime ce qui se passe. Donc Chantal, on parle pendule ce soir, enfin en tout cas parmi les vastes sujets qui sont liés à la radiesthésie. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez tous le pendule. Alors, j'ai bien expliqué d'avoir le fait d'un pendule, la chaînette, c'est bien ça? C'est ça. Et si pas, on peut prendre une chaîne et un pendentif, ça fonctionne super bien. Super bien aussi, génial. Donc, voilà, préparez-vous avec votre pendule, vous n'avez rien besoin d'autre, juste le pendule ou, le cas échéant, une chaînette que vous pouvez prendre pour remplacer le pendule. On verra ça en fin d'émission dans ces petits exercices pratiques. Peut-être qu'avant de démarrer ce live, Chantal, je vais te demander si tu veux bien de te présenter aux amis qui nous regardent ce soir pour voilà, savoir un peu plus, en savoir un peu plus sur toi, pour te découvrir et savoir qui tu es dans les grandes lignes. Oui, dans les grandes lignes, parce que alors, sinon, on n'est pas plus pour longtemps. Donc, rebonsoir, je m'appelle Chantal Vereyen et en fait, je suis une hypersensible en contact avec l'invisible. Et pendant tout un temps, j'ai voulu faire comme tout le monde, j'ai voulu faire partie de, voilà, du monde et ne pas être différente. Et donc, ça a été catastrophique parce que j'ai vécu le harcèlement au travail. J'étais technicienne de laboratoire au départ, donc le milieu scientifique. J'ai été consultante dans le milieu pharmaceutique, consultante en formation dans le milieu pharmaceutique. Et la vie m'a rattrapée parce qu'à un moment donné, ça a été une vraie catastrophe. Et il a fallu que je me remette en question et je me suis remise en question. Et j'ai commencé par une réorientation de carrière et j'ai fait commencer la formation en naturopathie que je n'ai jamais terminée parce que j'ai mis le pied dans l'énergétique et je n'en ai jamais sorti, je n'en suis jamais sortie. Et un matin, le pendule est arrivé dans ma tête, je me suis réveillée avec le mot pendule dans ma tête, et je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas comment ça fonctionnait, je suis allée en acheter un et ma vie a changé. Depuis 2006, je fais de la radiesthésie, je fais des soins énergétiques en radiesthésie et je fais aussi de la télépathie animale parce que pour moi, une fois qu'on fait de l'énergétique, on aime l'humain, on aime la terre et on aime les animaux. Voilà.
Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Merci. C'est vrai que souvent, les gens que je reçois dans ces lives, ils ont des grandes traversées professionnelles, des grandes reconversions comme ça, et souvent, qui sont complètement à l'opposé. On va dans des métiers qui sont soit très scientifiques, enfin, en tout cas, j'ai envie de dire très intellectuels, pour aller dans une libération totale, plus dans le monde du spirituel, et qui est complètement déconnecté de cet univers premier. Moi-même, j'en suis aussi un bel exemple, et voilà, il y a d'autres personnes pareilles, donc c'est... Ça me semble logique, en fait, tout ça, C'est d'après ce que vraiment tu dis. un parcours de vie, en fait, parce que c'est vrai que moi, depuis toute petite, j'entends des voix, etc. J'en ai eu très peur, donc j'ai tout bloqué. Et j'étais dans une famille scientifique. Moi, je suis le petit mouton noir de la famille, hein, donc j'ai 4 sœurs, donc je suis la cinquième, pas la petite chouchoute, le petit mouton noir dont on ne sait pas quoi faire. Ma mère, elle m'a dit que je faisais partie des mauvaises herbes parce qu'on ne savait pas se débarrasser de moi. Donc j'ai voulu faire partie du moule, et le moule dans ma famille, c'était la partie scientifique. Alors j'ai ce côté scientifique puisque j'ai pu faire des études et être dans les laboratoires, mais toute la partie énergétique et tout ça était refoulée au fond de moi. Et ben, la vie, elle m'a rattrapée. Elle m'a dit non, Chantal, ça va pas. Il y a eu un jour où j'ai plus voulu rester sur cette terre et je me suis dit non, ça, je vais pas laisser les autres gagner et on va prendre le taureau par les cornes et changer les choses. Voilà, c'est vraiment Ouais. ça qui s'est passé. Et c'est très bien comme ça. Tout est Oui, juste. et c'est là que je commence à être heureuse, et grâce à tout ça, la Au radiesthésie, pendule. je dis, Pour oui. radiesthésie. Alors justement, venons-en à la radiesthésie. L'utilisation du pendule fait partie de ce domaine, entre guillemets, d'activité qu'est la radiesthésie. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous expliquer ce que c'est que la radiesthésie et peut-être la manière dont toi tu l'abordes finalement dans ta méthodologie? Oui, alors il faut savoir que je suis une autodidacte. J'ai quasi appris tout, enfin j'ai tout appris toute seule, sauf la partie scientifique hein, quand j'étais aux études. Mais au niveau radiesthésie, j'ai appris tout toute seule parce que c'est comme si la vie me demandait de le faire. Et quelque part après, je partage ce que j'ai appris parce qu'au départ, j'ai lu des livres et je ne m'en sortais pas. Ma convention allait dans tous les sens, les réponses donnaient n'importe quoi et je trouvais ça génial, ça tournait, mais ça apportait rien du tout. En fait, quand j'utilisais ce pendule, je m'arrachais les cheveux et j'ai eu envie d'abandonner. Je ne trouvais pas de réponse. Et donc, je me suis dit, bah là, on va reprendre le côté scientifique et on va comprendre ce qu'il se passe. Donc, ce que je vous partage là, bah, quelque part, c'est quelque chose que j'ai appris toute seule avec mes expériences, hein, puisque je fais de la radiesthésie depuis 2006. Donc, moi, j'utilise beaucoup le pendule, mais j'ai suivi aussi des cours de géobiologie où on utilisait des baguettes de sourcier. Donc au départ, la radiesthésie se faisait aussi avec les baguettes de sourcier. Donc c'est quoi la radiesthésie? C'est en fait permettre, enfin c'est ma vision des choses bien entendu, hein, c'est en fait le corps qui va prendre les ondes qui sont tout autour de nous et va transmettre ces ondes au niveau de la baguette ou au niveau du pendule. Et là, il va y avoir une réaction au niveau de la baguette ou au niveau du pendule. Donc, lorsque l'on cherche, par exemple, des sources d'eau, on va avoir ces baguettes, on va se balader, notre corps va réceptionner les ondes de la source, les transmettre à la baguette. Bah, moi, j'ai des sources ici, donc c'est facile. Et hop, les baguettes vont bouger pour dire, OK, là, il y a une source. Grâce aux baguettes, on va pouvoir, ici j'exagère, mais déterminer le sens de la source. Mais ces baguettes, on peut aussi les utiliser pour avoir une convention oui-non. Ça va être exactement la même chose. Avec tout objet qu'on va tenir en main, on peut obtenir des conventions oui-non, on peut poser des questions, etc. Moi, mon outil de prédilection, c'est le pendule. Dès que je le vois, dès que je vois un pendule, je suis tout en affaire, il m'attire et c'est vraiment avec ça que... Voilà, chacun possède son outil et moi, c'est vraiment le pendule qui est venu à moi. Comme je vous ai dit, un matin, il est arrivé et voilà. Et ça a changé plein de choses. J'ai une question indiscrète. T'as combien de pendules chez toi? Alors, déjà ici sur la table, j'en ai 5, mais je pense que j'en ai une vingtaine. Alors, mais le pire, c'est que j'ai créé une boutique en ligne où on vend des pendules et donc ça, c'est difficile pour moi parce que chaque fois qu'on réceptionne, j'ai Suis en envie d'en enquête. prendre. Moi, j'en ai 3. Je pensais en avoir beaucoup. Je Non, suis une petite j'en ai joueuse. déjà allez, une vingtaine. Oui. Exact. Bah, écoute, t'auras l'embarras du choix ce soir pour nous montrer un pendule et ceux que tu utilises, en tout cas. Oui. Quand on aime, on ne compte pas, on dit. C'est ça, exactement. Exactement.
Alors du coup, toi, comme tu viens de le dire, c'est avec le pendule que tu travailles le plus souvent. Enfin, pourquoi est-ce que tu as préféré peut-être cet outil à un autre? C'est une question de praticité, une question de ressenti. Oui. Alors, en fait, ce qui est génial d'abord avec le pendule, c'est qu'il ne faut rien ressentir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de top. Alors, moi, je suis capable de ressentir les émotions des personnes, des animaux, des lieux, mais avec les mains, je ne ressens pas grand-chose. Et donc, le pendule permet vraiment d'avoir des réponses sans avoir de sensations particulières. Alors, j'ai essayé les baguettes de sourcier, mais honnêtement, transbasé, enfin, allez, Pas allez, à facile, pas gauche, à facile dans droite. un sac à main, quoi. Voilà, c'est ça, je ne trouvais plus le mot, mais c'est pas très pratique parce qu'ici, ce sont des mini-baguettes. En général, elles sont beaucoup plus longues et lourdes. Et puis, bon, il n'y a rien à faire. J'ai utilisé aussi l'antenne de l'échelle qui est comme un T. J'ai essayé de la retrouver, mais elle vient plus à moi, cette antenne. Donc, elle est dans ma maison quelque part. C'est comme un T. Et en fait, je suis tellement sensible que peu importe ce que je fais, on revient toujours aux mêmes choses. C'est comme si j'utilisais tout comme étant un pendule. Donc, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de chipoter. Prenons le pendule. Et il n'y a rien à faire, mais je les trouve tellement beaux qu'automatiquement, je suis attirée par le pendule. Et puis, bah, après, ça réagit tout le temps. Voilà. C'est vrai qu'il y en a certains, on les conçoit comme des bijoux. Je regarde par exemple, moi j'en ai un comme ça. Il est très, tu vois, ornementé, Oui, il est magnifique. décoré. Il y a des petites perles, même à Oui. l'endroit où il faut pour le tenir, tu vois, ils ont incrusté une perle. Donc ça devient vraiment des bijoux, quoi, finalement, les pendules, quoi. Et peut-être en prolongement de ce que je viens de te dire, il y a Vali dans le chat qui pose une question qui est intéressante, qui dit, est-ce que c'est le pendule qui nous choisit? Ou nous qui choisissons le pendule. Alors, ça peut être les deux. Ça va dépendre de où on en est dans, enfin, je veux pas dire dans notre pratique, mais je vous ai dit, quelque part, le pendule, moi, j'aime bien ça, c'est la continuité de nos énergies et de notre âme. Donc, quand nos énergies sont bien alignées, quand notre âme est bien alignée, on peut utiliser n'importe quoi comme pendule et ça fonctionne. Donc là, c'est nous qui allons vers le pendule, vers celui qui nous attire. Mais après, il y a un moment donné où, quand on est peut-être au début de la pratique, où nos énergies sont pas encore assez fluides et où alors notre pendule n'est pas super réactif en main. Et alors à ce moment-là, on va dire, c'est le pendule qui va nous choisir et qui va être, on va prendre celui qui est le plus réactif en main. Et donc, ça va être le pendule qui nous apprendra les choses, donc qui acceptera d'être bien réactif dans les mains. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, Tout à mais donc fait. quand on est bien, hop. N'importe quel pendule fonctionnera. Quand on débute, parfois, il faut prendre vraiment celui qui est très réactif et avec lequel ça match vraiment fort. Exact. Peut-être que à partir de là, une fois qu'on a un pendule, on l'a choisi ou il nous a choisi, peu importe. Moi, pour le coup, celui-là, c'est lui qui m'a choisi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment est-ce qu'on travaille avec et qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi ça sert le pendule? Alors, à quoi ça sert le pendule? On peut l'utiliser pour plein, plein, plein de choses. La première chose pour laquelle on l'utilise, c'est poser des questions. Donc, par rapport à notre futur, par rapport à plein de choses, pour nous guider. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous guider au niveau de notre alimentation, dans nos choix, etc. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Là, il y a toutes des petites choses à savoir pour bien poser les questions aussi, ou pour que ce soit dans un bon cadre. Donc, on peut l'utiliser aussi dans un cadre divinatoire, hein, pour connaître, bah, je suppose comme toi, hein, Nathalie, tu fais aussi pour le tirage de cartes, etc. Oui. Donc, ça, voilà, on l'utilise dans ces cas-là. On peut l'utiliser en géobiologie. Donc, la géobiologie, c'est l'analyse des énergies dans les maisons. Est-ce qu'il y a des sources? Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce qu'il y a du paranormal dans la maison? Est-ce qu'il y a des problèmes électriques? Donc, tout ça, le pendule va pouvoir répondre à ce genre de questions, ce qui va nous aider à choisir une bonne personne aussi, hein, un bon géobiologue. Et alors, ça peut être aussi, on peut l'utiliser pour la recherche de personnes ou d'objets. Alors, moi, là, j'avoue que je suis vraiment pas bonne à ce niveau-là parce qu'en fait, c'est compliqué parce qu'il faut être vraiment bien fixé sur l'énergie de la personne ou sur l'objet. Et ça, c'est très, très compliqué, donc d'être en connexion avec l'objet, et ça, c'est très compliqué. On peut faire aussi de la radiesthésie médicale, donc connaître quelles sont les fleurs de Bach dont nous avons besoin, combien de gouttes à prendre et combien de fois par jour, par exemple. Et ça, c'est vraiment top parce que quelque part, on demande à notre corps ce qu'il en est
plutôt que d'être dans le mental en disant, ah bah si je manque de confiance, il faut absolument prendre telle fleur de Bac ou telle autre fleur de Bac. Donc ça nous permet déjà de savoir, est-ce qu'il nous en faut des fleurs de Bac et laquelle est vraiment bonne pour moi dans ce cas-ci maintenant, en fait. Et alors moi, je l'utilise pour faire des soins énergétiques en radiesthésie. Avec ma pratique, j'ai mis en place toute une méthode de soins énergétiques en radiesthésie qui sont efficaces et qui sont géniaux. Voilà. On peut faire tout ça avec un pendule. Oui. Et il y a, comment on parlait, la recherche des lieux, les personnes, comme tu disais, mais il y a aussi peut-être la purification, non, des objets ou des choses oui. ou d'un lieu, tout ça. Oui, quoi. Pour moi, ça fait partie des soins énergétiques, en fait, aussi. Puisque quand on purifie des objets, ou quoi, ça a un impact sur nos énergies. Donc voilà, je l'ai englobé là-dedans. Mais c'est juste. Je peux répondre à ça. Ok, tiens. Par rapport à ces différentes utilisations, il y a, je pense, comme dans le tarot ou comme dans d'autres outils, enfin d'autres arts divinatoires, il y a peut-être aussi une manière de poser des questions, parce que je sais, comme on vient de la dire tout à l'heure, tu disais, on peut lui poser des conventions de oui-non, mais je pense qu'on peut travailler aussi avec ce qu'on appelle des planches, où on peut peut-être avoir des réponses plus complètes aussi, non, avec le pendule. Alors, ça... Bon, le pendule, c'est quand même, il y a des personnes qui me disent « mon pendule m'a dit ». Donc, le pendule ne parle pas. Donc, ça, c'est quand même très important à dire. Le pendule, il va répondre à des questions précises. Donc, oui, on a « oui », « non » ou on peut utiliser des planches. Et là, dans ce cas-là, j'en ai pas pris parce que moi, j'utilise pas les planches. En fait, on met le pendule au milieu de la planche et on demande au pendule quelle fleur de Bac on a besoin. Et donc, je vais vous montrer, le pendule va aller vers la fleur de Bac dont on a besoin et se positionner dans une case. Donc, c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai transformé ça en oui, non, j'ai besoin de telle fleur de Bac, il va me dire oui ou non. Donc, c'est soit le oui, non, soit l'utilisation de planches où le pendule va se diriger vers la bonne case au niveau de la planche. Voilà. Donc, ce n'est pas plus précis, c'est juste la manière de poser la question qui est un tout petit peu différente. Ouais, là, j'en ai retrouvé quelques-unes que j'avais dans un oracle, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer un peu ce qu'on appelle des planches. Donc, ce sont des planches, ça ressemble à des cadrans comme ça, avec des mots à l'intérieur, et on fait simplement bouger son pendule, hein, c'est ça, Chantal? Oui, donc on met le pendule. Au milieu. Voilà, on met le pendule là où il y a le doigt de Nathalie, donc au milieu, voilà. On pose la question, donc voilà, la planche des blessures, quelle blessure je possède? Et le pendule va aller se diriger vers la case qui doit être choisie et il va continuer à, il va se positionner sur cette case-là et rester sur cette case-là aussi. Voilà. On peut travailler sur les chakras, etc. Enfin, avec les planches, il y a énormément de choses qu'on peut travailler. On peut chercher notre taux vibratoire avec ces fameux bovines. On peut faire ça avec les planches. Moi, je n'aime, alors, c'est perso, moi, je n'utilise pas les planches parce que j'ai du mal à laisser... Et à regarder comme ça, je suis une impatiente. Voilà, il faut savoir. Donc, moi, c'est très clair. Je dis, OK, j'utilise la planche chakra, oui, non. J'utilise la planche fleur de Bac, oui, non. Voilà, j'ai besoin de fleur de Bac, oui, non, oui. Oui. Et alors, moi, j'ai plutôt des colonnes. Ça, j'utilise la fleur de Bac, les fleurs de Bac, colonne 1, 2, 3, pof, pof, pof. Et on y va comme ça. Colonne 2, ok, il y a 5 fleurs de Bac et là je demande, j'ai besoin de telle fleur de Bac, de telle fleur de Bac ou de telle fleur de Bac dans mélange de fleurs de Bac ou pas. Voilà, et parfois ça dans les planches on n'a pas, il faut un mélange, il faut plusieurs gouttes. C'est vraiment, là il faut que chacun trouve sa manière de fonctionner. Moi les planches c'était sympa, mais j'aime bien l'intuition et j'aime bien avoir la réponse tout de suite et j'aime pas attendre que ça aille vers une case, parce que quelque part après, mon mental commence à fonctionner. Ah, il va vers la droite, alors c'est plutôt là. Et donc, on se déconnecte. Je me déconnecte de tout ça. Et parfois, alors, on peut fausser les questions, pas les réponses. Voilà. Ok. Donc, plutôt faire appel à son intuition. En tout cas, Givali qui demande où est-ce qu'on peut se procurer ces planches. Si on cherche des planches, ben, vous en avez plein sur Internet, hein, simplement. Mais si vous voulez un livre ou un coffret, vous allez dans toutes les bonnes librairies, type Cultura et autres. Il y a plein de, dans les stands au rayon ésotérique spirituel, là, il y a plein de rayons avec des bouquins, justement, qui proposent des planches pour l'utilisation du pendule. Alors, il y a une chose intéressante que tu disais tout à l'heure, justement, c'est que tu préfères laisser parler ton intuition. Et
pour justement pas que le mental interfère, parce que il y a peut-être, je sais pas si on a évoqué ça tout à l'heure, mais ce qui est peut-être intéressant de dire, que tu peux développer, c'est le fait que le pendule, c'est quelque part comme une prolongation de nous, quoi, finalement, de quelque chose qui vient de nous, non? C'est la continuité de nos énergies et de notre âme. Donc, c'est vraiment nous qui avons les réponses et qui, quelque part, on les transmet au pendule. Donc, c'est, on va dire, on a parfois du mal à entendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ou alors on se dit, oh, bah, tiens, je vais essayer d'être guidé par mon moi, etc. Alors, on attend de recevoir des mots, on attend quelque chose, et donc on bloque tout. Qu'avec le pendule, c'est vraiment la prolongation de notre âme et de nos énergies, on a plein de réponses en nous. Et donc, grâce à ça, ça va permettre de laisser ces réponses venir. Et donc, pourquoi je dis on laisse l'intuition? Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, à force, j'ai fait plein de tests, hein, des essais-erreurs pour comprendre pourquoi mon oui-non, ça n'allait pas, pourquoi j'avais des réponses qui allaient dans tous les sens. Et j'ai remarqué qu'à force de regarder tourner ce pendule, j'étais comme hypnotisée, il y avait plein de choses qui se passaient en moi et c'est de là que viennent les soins énergétiques. Mais il y a aussi, par moments, quand je pose des questions, j'ai d'autres questions qui me viennent, comme si le fait d'être un petit peu hypnotisée par ce pendule qui tourne me permettait d'être en connexion plus avec moi ou parfois plus avec d'autres choses qui nous entourent. Et donc c'est là que je dis, laissez tourner ce pendule, laissez venir les questions qui vous viennent. Aussi, parfois, elles ne sont pas anodines quand il y a des questions, l'une ou l'autre question qui vient. Parfois, ça peut être déjà le début d'écouter son intuition ou d'être en relation avec nos guides, par exemple, aussi. Donc on peut aller plus loin que son propre ressenti, sa petite voix intérieure. On peut avoir carrément des messages des guides, quoi, dans cette prolongation. Okay. On a une question encore dans le chat qui va aller bien dans la continuité de ce qu'on a déjà présenté, justement de Lialou qui demande quel matériel est le plus idéal, la pierre, le bois, le métal. C'est vrai que des pendules, il y en a pour tous les goûts, dans toutes les différentes matières, mais aussi dans différentes formes. Voilà, il y en a certains qui sont très légers, d'autres très lourds aussi, allongés, des ronds, des pointus. Enfin, est-ce que tu peux nous en expliquer tout ça, nous dépatouiller tout ça? Alors, moi, je suis quelqu'un de simple. Je suis dans l'énergétique simple. Donc, des pendules, je vous ai dit, j'en ai une vingtaine. Donc, j'ai lu tout ce qui pouvait exister sur les pendules. On vous raconte plein de choses. Que telle forme, c'est pour envoyer, que telle forme, c'est pour recevoir, etc. Tout ça, moi, j'ai tout essayé. Un pendule, il peut recevoir des informations, quelle que soit sa forme et quelle que soit sa matière. Donc, par exemple, moi, ici, j'ai un pendule en cristal de... Excusez-moi, j'écorche toujours le nom de Swarovski. J'ai ici un pendule en amatite. J'ai un pendule, comme ça, vous voyez que j'en ai un, en bois. Et ici, des grands en hématite et en quartz rose. Tous font exactement la même chose. Donc, ne vous cassez pas la tête avec ça. La seule chose que moi, je peux vraiment vous conseiller, c'est que par exemple, un pendule comme celui-ci, qui est juste magnifique et qui est en hématite, il est très lourd. Et ça peut, à un moment donné, être très embêtant si on travaille beaucoup. Moi, je fais des soins énergétiques et un soin énergétique, c'est plus d'une heure. Eh bien, une heure où le pendule tourne, ça peut faire mal à l'avant-bras. Donc, moi, je conseille toujours, un, de prendre celui qui vous attire, celui qui réagit dans vos mains et toute matière est bonne. Maintenant, on voit aussi des pendules en résine. C'est très bon. Il n'y a aucun souci par rapport à ça puisque... Une chaîne et un pendentif fonctionnent. Avant, ils travaillaient avec ça, hein, avec des choses tout à fait simples. Donc, nous aussi, c'est la seule chose, c'est prenez celui qui vous attire, tout simplement, parce que c'est agréable de travailler avec des outils qui nous plaisent. C'est juste ça. Mais peu importe la matière, vous recevrez toujours des bonnes réponses si Faut vous faites simplement bien les choses. trouver, ouais, faut simplement trouver celui qui nous fait vibrer finalement pour Oui, tout rester à dans fait. cette énergie, ces énergies hautes finalement qui aident aussi au travail. Voilà, travailler Parfait. avec des outils qui nous plaisent, où on a plaisir à les prendre en main, où on, voilà, quand c'est juste ça qu'il faut vraiment, alors que ce soit une ficelle, une chaînette ou quoi, ça n'a aucune importance.
Il y a souvent dans le monde des arts divinatoires tout un tas de fausses croyances, etc. Ou même des choses qui disent, tu sais, par exemple, je sais qu'en tarot, on dit il faut pas prêter ton jeu, l'autre il doit pas le toucher. Qu'est-ce qu'il en est du pendule? C'est sacré, attention! Surtout ne jamais prêter son pendule ou ne pas prendre celui de son grand-père qui est décédé. Non, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Parce qu'on va rentrer dans une autre dimension, on va dire. On l'a vu, le pendule, c'est la continuité de nos énergies. Mais ça peut être, donc le pendule, ça veut dire, si je dis ça veut dire qu'il est sensible à nos énergies, mais il est aussi sensible aux énergies qui nous entourent. Donc, quand on veut penduler, c'est important que notre pendule, il soit exempt d'énergies qui peuvent nous embêter, parce qu'on peut avoir tout autour de nous, le monde est fait comme ça, hein, de personnes sympathiques et de personnes moins sympathiques. Eh bien, dans le monde qui nous entoure, au niveau énergétique, dans l'invisible, on a des énergies bénéfiques pour nous et des énergies qui le sont moins. Et ces énergies, on peut les avoir sur nous, on peut les avoir aussi sur le pendule et tout autour de nous, et ça peut fausser les réponses. Donc, même si vous prêtez votre pendule ou quoi que ce soit, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas des mauvaises énergies dessus. Et donc, il faut s'assurer que vous soyez purifié, que votre pendule soit purifié et qu'autour de vous, ce soit purifié aussi. Donc, à partir du moment où on fait ça, on peut prêter son pendule sans aucun souci, puisqu'après, on le purifie et hop, il est bon pour être utilisé encore et encore. Donc avant chaque utilisation, on fera un petit récapitulatif, mais purifiez bien votre pendule, vous-même et la pièce dans laquelle vous êtes. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus justes, puisque les mauvaises énergies qui vous entourent peuvent s'amuser et fausser les réponses. Donc, plutôt se placer dans un environnement neutre, quoi, une fois qu'il soit bien nettoyé, etc. Tout à Alors, fait. j'ai encore deux questions qui me viennent en tête, mais je vais prendre celle de Vali dans le chat. Mais avant juste de te poser cette question, enfin, j'ai mon pendule, tu as tes pendules, et vous qui nous regardez, est-ce que vous avez trouvé votre pendule? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit oui, un petit ok, un petit pouce dans le chat pour nous dire que vous êtes préparé, que vous avez soit votre pendule préféré, soit le pas préféré, hein, si vous avez trouvé, voilà, parce que dans l'urgence, ou la La petite chaîne. chaînette, voilà, simplement la petite chaînette pour compenser, justement, pouvoir travailler avec ce pendule. Donc, mettez-moi un petit oui dans le chat ou un petit OK si vous êtes prêt pour voilà, utiliser ce pendule. Et en attendant que tout le monde réponde, je vais prendre la question de Vali ici qui demande justement quel type de questions, en fait, tu travailles, toi en tout cas, Chantal, le plus quand tu utilises le pendule? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors, je vais vous faire un petit secret. C'est que moi, pour le moment, je pose plus beaucoup de questions parce que, en fait, ce qui est important, c'est déjà d'aller bien à l'intérieur de soi pour trouver les réponses. Donc, quand je pose des questions, je m'assure que ce soit des questions utiles. Donc, parce que parfois, on s'amuse beaucoup avec le pendule à poser des questions qui n'ont aucun sens. Quand vous posez des questions qui n'ont aucun sens, les réponses que vous allez avoir, elles n'auront aucun sens non plus. Donc, par exemple, poser la question, Chantal porte des chaussettes de couleur blanche, ça ne vous apporte rien et ça n'apporte rien à l'utilisation du pendule. Donc, je m'assure, quand je pose une question au pendule, c'est que cette question, elle est vraiment nécessaire et qu'il y a vraiment un intérêt à poser cette question-là. Et j'évite de poser des questions trop émotionnelles aussi, parce que si on est dans l'émotion, par exemple, comment je vais dire, je vais inventer, hein, mon fils étudie bien pour ses examens, inventons, et j'ai une crainte, je vais être là, pourvu qu'il dise oui, pourvu qu'il dise oui, pourvu qu'il dise oui, et automatiquement, je vais influencer les choses. Donc quand c'est trop émotionnel, soit je demande à quelqu'un d'autre de poser la question, soit j'évite de poser la question et je fais confiance à mon fils. Donc, c'est vraiment des questions qui ont une grande utilité pour vous, des questions qui sont voilà, qui vont vous apporter vraiment quelque chose pour vous guider. Et alors, quand vous posez des questions, puisqu'on est dans comment poser des questions, il y a une chose, et ça aussi, c'est je vais pas dire un scoop, mais quelque chose de très important, ne dites jamais, ne posez jamais la question, dois-je? Dois-je changer de métier? Dois-je accepter ce travail-là? Pourquoi?
parce que c'est comme si vous étiez dans l'obligation de faire quelque chose et vous n'êtes jamais dans l'obligation. C'est vous qui décidez ce que vous faites dans votre vie. Donc, c'est intéressant de déterminer si tel job vous convient mieux ou tel autre job vous convient mieux. Mais jamais utiliser le mot « devoir » parce que vous n'êtes jamais obligé de faire quelque chose. Quand vous utilisez ce terme-là, ça fausse complètement les réponses. Oui, je pense qu'il est important de garder son propre pouvoir, son libre arbitre aussi sur un travail, quel que soit l'outil qu'on utilise. Hein. Là, c'est le cas avec le pendule, mais ça marche avec les oracles, le tarot, ou peu importe. Oui. Il faut toujours garder la tête froide et rester dans son libre arbitre. Oui, et se rendre compte que la question que l'on va recevoir, c'est une réponse, enfin la réponse qu'on va recevoir, c'est une réponse à l'instant T. Et donc, c'est là, maintenant. Et donc, même quand on va demander, tiens, tel job est-il meilleur que tel autre job, là, maintenant, on va peut-être recevoir que le A est meilleur, mais dans 3 jours, ça va peut-être être le B, parce que quand on reçoit une réponse, ça va venir changer des choses en nous. On va penser, on va commencer à réfléchir à autre chose, on va peut-être mûrir, et le fait de mûrir va faire en sorte que la réponse change. Donc, quand on va recevoir une réponse, ne pas la prendre comme étant paf, c'est comme ça, point final. Vos énergies, les énergies autour de vous changent tout le temps, surtout là maintenant, hein, ça n'arrête pas de changer. Donc ne pensez pas que c'est pour tout le temps, pour toujours. Ça change, l'énergétique est tout le temps changeant en fait. Et donc c'est pour ça que vos réponses, vous allez me dire oui, mais c'est oui ou non. Bien oui, parce que parfois, le temps que chez vous ça mûrisse, il y a des choses qui changent et donc la réponse va changer. Et c'est ça qui est chouette aussi. On a évoqué tout à l'heure la purification des objets ou du pendule lui-même avant de l'utiliser pour que ce soit plus fluide et plus juste dans les réponses. Je pense à un complément, en fait, un petit soin, tu sais. Est-ce que justement, il y a une sorte de rechargement du pendule? Alors, certains disent au soleil ou à la lune, si c'est un cristal en pierre ou dans de l'eau ou avec de la sauge, peu importe, sur une fleur de vie. Est-ce que ça a un intérêt énergétique ou est-ce que ça va encore dévoyer la réponse du pendule? Alors, le pendule doit absolument être purifié. En fait, ici, bon, là, on va parler un petit peu de la méthode que j'ai mise en place, mais je ne peux pas toute la décrire parce qu'on est parti pour 2 heures. Alors, c'est tout un grand atelier que l'on fait. Oui. Mais donc, ce qui arrive souvent, c'est que lorsque l'on pose des questions ou lorsque l'on va utiliser le pendule pour quelque chose, ou même quand vous utilisez la sauge pour purifier, vous utilisez souvent votre propre énergie, et donc on peut être épuisé après avoir posé des questions, on peut être épuisé après avoir fait quelque chose en utilisant le pendule. Et donc, c'est important de pouvoir s'entourer de belles énergies quand on utilise le pendule et d'utiliser plutôt ces énergies avec les nôtres aussi pour répondre, pour ne pas que l'on s'épuise de trop. Et donc, là aussi, si on utilise des belles énergies pour nous aider, on n'est plus obligé de passer son temps à recharger le pendule, etc. Donc ça, c'est une méthode. La purification, moi, je fais la purification à l'aide du pendule et à l'aide de belles énergies. Donc, j'utilise pas la fleur de vie, j'utilise pas les améthystes, etc. Pourquoi? Parce qu'à force de mettre le pendule dessus, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'améthyste, elle se charge négativement aussi. Et donc, il faut s'assurer que votre améthyste, elle soit bien purifiée, qu'elle soit bien active aussi. Et ça, souvent, on ne le fait pas non plus, parce que si on utilise une autre pierre pour aider le pendule, il faut que l'autre pierre, elle soit top. Et ça, parfois, on est un petit peu perdu. La fleur de vie, il faut être sûr qu'elle soit programmée comme il faut pour charger son pendule. Ce n'est pas simplement je mets mon pendule dessus. Si la fleur de vie, elle a mal été fabriquée par quelqu'un qui était en colère, etc., on va avoir une mauvaise énergie dessus. Donc, il faut bien faire attention à ce genre de choses. Moi, j'utilise le pendule pour purifier mon pendule. Mais parce que j'utilise des belles énergies pour le faire, en fait. C'est clair. Après, on peut prendre peut-être ses propres énergies pour le charger intentionnellement, de manière positive, etc. Okay. Oui, il faut bien faire attention de ne pas s'épuiser en énergétique. Aussi. C'est toujours ça, de ne pas prendre toutes ses énergies pour faire les choses et donc après être complètement cassé. Et donc, quand on est cassé, ben, nos réponses, elles ne sont pas correctes.
Merci Chantal. Je te propose, si tu veux, qu'on rentre un petit peu, encore un peu plus dans le vif du sujet et que tu montres justement comment est-ce qu'on utilise un pendule. Alors, il y a, je sais, plein de questions qui vont fuser. C'est bah, comment est-ce qu'il faut tenir son pendule, de la main droite, de la main gauche? Est-ce qu'il faut faire 3 fois le tour sur soi-même avant de l'utiliser? Oui, il faut faire le Sauter d'un cumulet aussi. joint. Voilà, toutes sortes de questions sur savoir comment est-ce qu'on utilise un pendule et aussi savoir comment est-ce que justement, comment on peut le choisir. Justement, on en a parlé déjà, le pendule par rapport aux formes, par rapport aux pierres, mais je rebondis sur une question justement de Louisa dans le chat qui dit: mon pendule n'est pas fiable, comment faire? Comment est-ce qu'on sait que son pendule, quand on l'utilise, il nous répond bien? Alors, déjà, c'est pas le pendule qui est pas fiable. C'est aussi vos questions. Donc d'abord, on l'a dit. Un, pendule purifié, vous purifiez des belles énergies autour de soi. Et sur les belles énergies, je peux vous en parler des heures encore, parce qu'on va dire souvent, on travaille avec l'univers, et dans l'univers, on n'a pas que des belles énergies, hein. Quand on dit je m'adresse à l'univers, mais à qui s'adresse-t-on à l'univers? Bah, parfois, moi, je l'ai vécu, hein. J'ai fait ça avant, je travaillais avec l'univers et j'ai eu des nausées, j'avais la tête qui tournait, donc il faut bien faire attention à ça. Mais déjà, un, des belles énergies, et deux, aussi, se protéger. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand je prends mon pendule, rien que le fait de le prendre, rien que le fait de vouloir poser une question, c'est faire de l'énergétique, puisqu'on va faire appel à nos énergies, à notre âme, et on peut faire appel au guide, par exemple. Eh bien, rien que ça attire à nous des énergies, et c'est pas toujours des belles énergies qu'on attire à nous. Donc quand on se protège, on est sûr que là, on va pas avoir des crasses, j'appelle ça des crasses qui viennent sur nous. Déjà ça. Donc un, des belles énergies, se protéger. Trois, purifier son pendule, soi et autour de soi. Et là, on sait qu'on est dans un bon environnement et que là, déjà, on aura moins de chances d'avoir des réponses qui vont dans tous les sens. Donc c'est pas le pendule qui n'est pas fiable, c'est déjà ça, notre environnement qui n'est pas fiable. Et puis après, si vous posez des questions comme dois-je changer de ceci ou de cela, vous n'aurez pas des réponses. Si vous posez des questions où vous avez un émotionnel derrière qui est trop important, vous risquez d'influencer les choses. Et si vous posez des questions qui n'ont aucun intérêt, vous n'aurez pas de réponse non plus. Parfois, c'est pas du tout de réponse ou alors des réponses qui vont dans tous les sens. Donc, c'est pas trop le pendule qui est pas fiable, c'est souvent la question qui est pas bien posée. Est-ce qu'il peut arriver justement qu'un pendule ne veuille pas nous répondre? Tout à Oui, fait. parce qu'on n'a Alors, peut-être pas le droit de connaître la réponse ou que ce n'est pas le moment, c'est oui, ça? tout à fait, tout à fait. Il y a des choses dans notre vie que nous devons vivre. Voilà, tout simplement. Et donc, on n'aura pas, ou on n'aura pas des bonnes réponses du tout, où on va avoir un coup oui et un coup non, parce que la réponse, elle doit venir de l'intérieur de nous, parce que parfois, on doit faire nos propres choix, ou tout simplement parce que l'on doit vivre la situation, et donc, ben, on n'aura pas de réponse, parce que cette situation, elle doit être vécue, ou parce qu'on n'a pas accès à l'information et on n'a pas le droit d'avoir accès à cette information. Donc, c'est pour ça que ça peut, on va dire, ce n'est pas fiable. C'est pas vrai que c'est pas fiable, c'est parfois aussi ça répond pas comme on a envie que ça réponde, en fait. Exactement. C'est du développement personnel, j'allais dire. Un autre sujet assez vaste encore. Alors, je pense que tout le monde est prêt, tout le monde a récupéré son pendule ou sa chaînette. Je vois, il y a beaucoup de oui dans le chat. Oui, j'ai mon pendule. Nadia aussi, Marie, Liliou, Vali a son pendule, Brigitte, tout le monde est là. Nathalie aussi, super, j'en passe. Et voilà, il y en a plein d'autres encore. Tout le monde a son pendule. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement, donc, comment est-ce que quand on a son pendule, comment est-ce qu'on doit le tenir? Comment est-ce qu'on travaille avec son pendule? Bon, d'abord, un, vous prenez le pendule qui vous plaît. Si vous n'en avez pas, peu importe, ça fonctionne toujours. Vous prenez la main qui vous convient. Donc, on va voir comment tenir son pendule. C'est le départ. Vous prenez la main qui vous convient. Moi, je suis droitière, donc je fais quasi tout avec la main droite. Mais si vous êtes droitier et que vous aimez la main gauche, utilisez-la. Vous êtes libre. Vous vous écoutez. C'est ça le plus important. Donc, votre pendule, chaînette, ficelle, avec des perles et tout ça, tout est bon. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous prenez la main qui vous convient, vous mettez la ficelle ou la chaînette dans la paume de la main, vous descendez un peu, vous placez le pouce et l'index, pardon, sur la chaînette, vous pincez
et vous refermez les autres doigts sur la paume de la main et vous retournez. On le refera encore hein, si je vais trop vite. Ce qui est important, c'est qu'à peu près ici, vous ayez 8 cm de chaînette. Si vous en avez 6 ou 7, ce n'est pas grave. 8 ou 9, ce n'est pas grave non plus. Mais le tenir comme ceci, vous voyez bien, ce n'est pas top. Pourquoi? Je vais exagérer. Quand il va tourner, il y a un moment donné où les oscillations vont être tellement grandes que ça deviendra de moins en moins clair. Et vous ne savez plus si c'est un oui, un non ou autre chose qui vient à vous. Et si, puis, il risque de cogner sur le bras ou d'être voilà, interrompu aussi. Tout à fait. Et ce n'est pas très pratique parce que c'est oui. long, on ne sait pas trop bien comment faire. Et donc, on bouge. Et donc, après, on va dire que ce n'est pas fiable parce que bah, c'est nous qui influençons par notre corps. Moi, j'aime bien être assise parce qu'il y en a qui le font debout, mais debout, le corps bouge aussi et donc influence votre pendule. Si vous le tenez trop serré comme ça, bah, vous voyez, vos oscillations, elles ne vont pas être très, très claires non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser à peu près 6 ou 8 cm. Si vous le tenez comme ceci, ça, ce n'est pas bon non plus parce que ceci va servir de pendule et ça aussi va servir de pendule. Alors, parfois, ils vont dire la même chose, tous les deux la même chose, mais c'est comme si votre énergie allait être divisée et c'est vraiment pas génial, génial. Donc, idéalement, paume de la main, vous fermez entre le pouce et l'index, vous fermez les autres doigts sur la paume et vous le tenez comme ça. Vous pouvez aussi le tenir comme ceci, je n'ai aucun souci avec ça. Il y en a qui font plusieurs tours autour, ça c'est moins bon parce que on serre de trop et donc on restreint un petit peu les oscillations. Et on bloque aussi peut-être la circulation de l'énergie quelque oui, part, tout à fait. Et le prolongement dans la chaînette, etc. Tout à fait. Donc on ferme un petit peu les choses. Donc franchement, moi c'est comme ça que j'utilise, voilà. Et alors il y a aussi une grande croyance, surtout ne mettez pas le coude sur la table, si. Moi je le fais. Je mets tout le temps le coude sur la table, ici je ne peux pas, hein, puisqu'il faut que vous voyez, mais je mets tout le temps le coude sur la table, pourquoi? Parce que ça m'évite d'avoir un coude qui va dans tous les sens et qui influence, et aussi, comme je fais des soins énergétiques, le fait que ça tourne pendant longtemps, ça aide mon bras, ça soutient mon bras et j'ai moins de douleur. Voilà. Donc, l'énergie, elle ne va pas s'arrêter parce que vous avez le coude un peu plié. Parce que alors, ça veut dire que votre sang n'arriverait pas non plus jusqu'au bout des doigts. D'accord? Donc, voilà. Vous pouvez ouais, je pense qu'il faut aussi quand même un minimum être détendu, être à l'aise si on veut pouvoir pratiquer. Quoi. Parce que si on est tout crispé, bah, encore une fois, l'énergie ne circule pas en nous quoi, oui. Et donc n'arrive pas au pendule. Quoi. Tout à ouais. fait. Alors, si vous le faites coucher sur un lit... Oui, c'est un peu trop détendu. Ça ne fonctionne pas des masses non plus. Donc, il faut trouver la bonne position qui vous convient. Hein, là où vous êtes en zone de confort, tout à fait. Mais si vous ne voulez pas mettre le coude sur la table, vous êtes libre. Si vous voulez le mettre, c'est très bien aussi. Le tout, c'est que votre pendule il réagisse dans vos mains. C'est ça le plus important. D'accord? Il y a Vali qui nous dit « Je suis en train de questionner mon pendule pour savoir si je le tiens bien. » Et alors, c'est quoi la réponse? Et alors, c'est quoi Vali? Qu'est-ce qu'il répond? Pour voir si c'est bien. Oui. Donc, on tient bien son pendule. Donc, si j'ai bien compris, on place la chaînette dans la main, droite ou main gauche, peu importe. On pince avec l'index et le pouce la chaînette à peu près 8 cm. Et puis, voilà, on a la main fermée, le bout de la chaînette dans la main et on oscille comme ça. Voilà. OK. Tout à fait. Je suis prête pour la suite. C'est bien. C'est bien. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que ça fonctionne chez tout le monde? Tout le monde oui. sait tenir son pendule? Je pense que oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, on verra ce qu'il en est, mais je pense que là, tout le monde est prêt pour... Tout le monde a bien compris, justement. Je pense, mettez-moi en fait dans le chat si vous avez des questions ou voilà, si vous avez bien compris comment fonctionne le pendule, enfin en tout cas, comment bien le tenir. Vali qui nous dit, oui, ça tourne fort. Voilà. Ça, c'est bien. Donc ça veut dire que Vali a un pendule qui est très réactif. Et Nathalie qui nous dit, j'ai fait la même demande. Donc voilà, c'est bien de confirmer. Mais ouais, en fait, je trouve que c'est bien comme idée. Parce que moi, des fois, c'est vrai qu'au début, je leur demande, est-ce que tu es d'accord pour travailler avec moi? Tu es en forme aujourd'hui? Enfin,
Et je pense que c'est bien de rentrer peut-être aussi dans un mode de conversation avec son pendule parce que ça crée des liens quelque part. En fait, je sais pas, voilà, est-ce que c'est une croyance encore une fois ou pas? Je Bah, sais moi, pas. je le fais pas parce qu'en fait, le pendule, comme je disais, c'est la continuité de mon énergie et de mon âme. Donc, quelque part, une fois que je le prends, je vais être plus ou moins avec moi et avec les belles énergies qui sont autour de moi. Donc, après, on peut demander aujourd'hui quel pendule est plus réactif pour travailler avec moi. Voilà. Mais je dirais qu'une fois, comme je vous disais, une fois que vos énergies sont bien équilibrées, sont bien, tous les pendules vont être réactifs pour travailler avec vous. Donc, quelque part, on va dire, laissez-vous aller et prenez le pendule qui vous attire pour ce jour-ci, pour demain, pour après-demain. Voilà. Exact, exact. Donc, partant de là, un petit exercice pratique pour voir comment on On va déjà l'utilise. voir, on peut déjà voir si votre pendule il est réactif dans vos mains, ce qui est la base de la radiesthésie. Donc, je vais vous expliquer. Et puis, on le fait ensemble, comme ça, parce que parfois, je parle très vite. Donc, on reprend le pendule comme il se doit dans la main adéquate qui vous convient et vous retournez votre pendule. Et là, tout simplement, mentalement, vous direz, cher pendule, bouge aussi. Et votre pendule doit faire quelque chose, mais très, très, très fort, comme il est là, ici, dans avant, en arrière, où il va aller, il va tourner dans un sens ou dans un autre, à lui de choisir, donc à vos énergies de choisir. Mais il faut que ce soit fort. Si il y a des personnes qui ont un pendule qui fait ça. Ça, c'est pas un pendule super réactif. Et il y a des pendules qui tremblotent. Alors, j'exagère. Ça, c'est pas les pendules super réactifs non plus. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est avoir un pendule qui bouge très, très fort pour être certaine de voir des bonnes réactions et de ne pas me tromper dans mon oui, mon non ou autre chose. D'accord? Et si on le fera ensemble, si votre pendule ne bouge pas des masses, c'est soit parce que vos énergies ont besoin d'encore d'être travaillées, mais vous pouvez aussi demander que ça aille de plus en plus fort. Et ça, c'est un bon exercice à faire chez soi. OK, on le fait ensemble. Donc, prenez la main que vous désirez, placez votre pendule dans la paume de la main, vous fermez comme il se doit. Vous pouvez donner une petite impulsion. Si vous le désirez, partez pas des grosses impulsions, hein, une petite impulsion. Et mentalement, vous dites, cher pendule, bouge très, 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 très fort. Voilà. Et vous me dites ce qu'il en est. Est-ce que vous avez un pendule qui bouge très fort, donc c'est-à-dire qui est très réactif dans votre main? Dites-moi. Ah, le Dites-nous. mien en tout cas, attends, là je vais me remettre à Oui. l'écran, parce que c'est pas facile avec un pendule à la main de tout gérer. Je vais revenir. C'est une grande Par gestion. ici, voilà. J'étais en train de regarder et c'est vrai que le mien, il avait une amplitude plus grande que ma main en fait, tu vois, donc il bougeait vraiment Oui, mais très voilà. très là, voilà, dans Ça, c'est cette très amplitude-là. réactif. Ça veut dire qu'alors, quand tu feras, on peut faire le oui et le non ensemble après, tu auras vraiment un bon oui, un bon non. Et ça, c'est important parce qu'on peut avoir des toutes petites réactions et puis à un moment donné, on ne sait plus c'est oui, c'est non, c'est quoi. Moi, j'aime quand c'est vraiment très franc. Alors, si ce n'est pas fort, eh bien, changez de main pour essayer. Alors, il y a Nadia qui nous dit bouge très fort. Valie nous avait dit aussi tout à l'heure, il bouge très fort. Marie, pareil, mon pendule bouge très fort. Donc voilà, on a des expertes du pendule ce C'est soir. génial. C'est Tout génial. fonctionne. Nathalie aussi, il tourne très fort. Donc parfait, c'est ce qu'il faut. Voilà. Brigitte, oui, c'est très franc. Exact. Des fois, je pense qu'on peut même peut-être sentir un petit peu, tu sais, comme si le pendule tire quand il oscille. On a Oui. l'impression que quelqu'un le tient là et qu'il est tiré. On a cette impression-là. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que j'ai aussi, c'est que dès que je prends le pendule, il se met en position comme ça, c'est comme s'il est en attente. OK, dis-moi ce qu'on fait. Il est au taquet. Donc pour moi, ça, c'est je suis en attente. C'est comme s'il était arrêté, en fait. Voilà. Tout de suite, je prends un pendule, il fait ça. Donc là, c'est aussi à vous de découvrir la réaction de votre pendule. Et comme ça va dépendre de vous, bah, cette réaction, elle peut changer au fur et à mesure du temps aussi. Plus vous allez faire ces exercices-là, plus vos énergies vont aussi se mettre en phase avec le pendule, avec la radiesthésie. Exact.
Qui c'est? J'ai un commentaire de Vali qui dit il y a des meilleures vibrations dans la main gauche. Donc je pense qu'elle a dû tester la main droite et la main gauche. Voilà. C'est ça. Tout à Donc fait. ça, c'est intéressant de changer de main. Moi, je sais que je ne suis pas top avec la main gauche, donc je ne vais pas avoir une grande réaction à ce niveau-là, parce qu'au niveau psychomotricité, je ne suis pas, je suis pas la reine. Mais donc ça, c'est intéressant quand on voit qu'on n'a pas des grandes réactions, c'est de se dire, OK, est-ce que d'abord je le tiens bien, ou est-ce que je dois changer de main, ou est-ce que je dois mettre ma paume en dessous pour encore être mieux connectée au pendule? Ça, c'est possible. Ou est-ce que je dois m'entraîner au fur et à mesure pour que ça devienne de plus en plus fluide pour moi? D'accord. Il y a Catherine aussi qui nous dit, il est dans le, enfin, il a dans le sens que je lui demande. Je pense qu'elle a demandé justement, comme tu disais, un protocole de oui/non. Je pense que c'est ce que tu vas nous expliquer maintenant, Alors, peut-être. on peut faire le protocole oui/non. Donc, un pendule, comme je vous l'ai dit, il ne parle pas. Donc, il ne peut pas dire, tiens, quelle est la couleur de la chemise de Chantal ce soir? Il ne va pas pouvoir répondre. Donc, on doit lui poser des questions pour qu'on ait une réponse. Et la réponse doit être un oui ou un non. Donc, il faut poser des questions fermées. La chemise de Chantal est mauve, blanche ou jaune ce soir, et il va répondre oui ou non. Mais pour cela, il faut savoir comment il va bouger dans le sens du oui et comment il va bouger dans le sens du non. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Bon, tenir votre pendule, vous savez comment il faut faire maintenant. Bah, tout simplement, on peut donner une petite impulsion et dans sa tête dire, cher pendule, aussi dans le sens du oui. Et il va bouger instantanément dans votre sens. Tout le monde n'a pas le même oui et tout le monde n'a pas le même non. Ça aussi, c'est une croyance. Ça va dépendre de vos énergies aussi. Il y a un moment donné où dans votre développement énergétique, vous pouvez avoir plusieurs phases où votre oui et votre non changent. D'accord? Et alors, après, on arrête, on redonne une petite impulsion et on dit mentalement, cher pendule, aussi dans le sens du non, et il va bouger dans un sens. Moi, au départ, mon non, c'était comme ça. Voilà. Comme il est là quand il est en attente maintenant, mais avant, c'était d'avant en arrière pour le non. Donc, chacun, ça c'est important, chacun a son oui et chacun a son non, et ça peut changer au fur et à mesure du temps. Et ça peut changer après la purification du pendule. Donc, quand vous utilisez votre pendule, purifiez-le bien et vérifiez votre convention après. Parce que si vous posez des questions et vous allez dire, bah, ça va pas, il me dit n'importe quoi, ben oui. Parce que quand on a des mauvaises énergies sur le pendule ou tout autour de nous, notre convention, oui, non, elle peut être complètement différente. Exact. Et justement, Vali, elle disait que quand elle le teste, il tourne sur une main, en fait, en rond. La main droite, il tourne en rond. Sur la main gauche, il va de droite à gauche. Donc, ça confirme bien ce que tu disais, en fait, par rapport à la réponse ou même par rapport à la main qu'on utilise, il peut avoir des réactions différentes. Oui, parce que maintenant, si on change de main, il faut trouver vraiment la main dans laquelle on est confortable, dans laquelle on est vraiment bien en zone de confort et dans laquelle il réagit bien. Et puis, au fur et à mesure, continuer avec cette main-là. Voilà. Buddy qui nous dit là il reste statique, je sais pas, c'est peut-être par rapport à une réponse, etc. Ça peut arriver qu'il bouge pas, mais comme tu dis, pardon, comme tu disais, si à un moment donné il bouge pas, rien n'empêche qu'on peut donner un petit élan. Donner une petite impulsion. Alors, bon, on ne fait pas, hein, mais juste un petit élan pour qu'il y ait déjà un mouvement qui se fasse et puis on fait un oui, on demande un oui, on demande un non. Et comme ça, on voit qu'il y a quelque chose. Maintenant, s'il reste statique, c'est peut-être aussi parce qu'on est fatigué et de nouveau parce que ça ne sert à rien de poser la question. Donc, par exemple, on l'a dit, quelle est la couleur de la chemise de Chantal ou Chantal porte une chemise couleur rose? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, il se peut qu'on dise, oh bah non, ça sert à rien ta question et je reste statique. Voilà. Exact. Mais si on est fatigué, clairement, ça peut aussi avoir un impact sur nos réponses. Influencer. Oui, je pense que c'est valable pour tous les travaux, enfin tout ce qu'on fait en art spirituel ou en art divinatoire. Faut pas être dans des états de fatigue ou quand on est malade, etc. C'est ça. Ça sert à rien parce que voilà, on a une vibration qui est altérée, donc la réponse du pendule sera altérée aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter en complément, Chantal?
Eh ben, je dirais aussi, quand on a bu un apéro, ça ne va pas non plus. Oui, ça marche pas, c'est sûr. Il y a du vécu. Il y a du vécu, c'est parce qu'il y a parfois des personnes qui m'appellent le vendredi soir, et c'est le soir où je prends l'apéro. Comme ça, vous savez, j'en prends un par semaine, et qu'on me dit, Chantal, tu peux poser telle ou telle question. Je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors on me dit, mais pourquoi? Mais je dis, bah, je n'ai pas envie de dire à tout le monde, enfin maintenant je le dis à tout le monde que j'ai bu mon apéro. Mais voilà, j'ai dit, il y a des Ouais. moments où non. Il faut. Alors là-dessus, c'était l'anecdote, mais il faut savoir quand quand on a la bonne énergie pour utiliser son pendule. Est-ce qu'on a une belle énergie le matin? Est-ce qu'on a une belle énergie plutôt l'après-midi? Ou est-ce qu'on a une belle énergie plutôt le soir? Moi, je ne suis pas du soir. Donc, je fais plutôt les soins énergétiques, etc., le matin. Donc, ça, c'est aussi intéressant de se connaître. Donc, si vous faites ça l'après-midi et que vous êtes en pas du tout de l'après-midi, eh bien, de nouveau, vous allez vous épuiser ou poser ou alors avoir des questions qui ne ressemblent à rien. Voilà, pas des réponses. Donc, dans certaines situations, il est préconisé d'acheter le pendule et un alcotest pour Voilà, être sûr tout à fait. que tout Tu peux dire non, l'alcooltesse dit ça va pas. Pas ce C'est soir. ça. Il y a encore Lialou qui nous demande, une fois qu'on a travaillé avec notre pendule, qu'on l'a posé les questions, est-ce qu'il faut le remercier après d'avoir travaillé avec nous enfin, Alors, si on utilise vraiment le protocole, les belles énergies, protection, purification, on remercie. Si maintenant on n'a pas fait tout ça et qu'on prend tout simplement des questions, etc., bon, remercier, moi j'aime bien que l'on fasse. Pour le fait d'être dans la bienveillance, etc. Mais on se remercie soi-même, en fait, on se remercie d'avoir utilisé ses propres énergies. Donc n'oubliez pas que c'est ça, le pendule a une énergie, c'est la continuité de votre âme, pour moi, hein, de votre âme et de votre énergie. Donc c'est pour ça, parfois on lui dit, je vais demander au pendule, il m'a dit que ce sont vos énergies qui ont envoyé une réponse. Vous voyez, c'est comme si parfois on donnait une âme au pendule. Non, alors dites-vous merci, ça c'est très intéressant par rapport à certaines réponses, mais voilà. Donc c'est bien au niveau protocole, belles énergies, protection, purification, et on remercie, et le remerciement va faire aussi qu'on dit, ok, là on a terminé les choses, et c'est toujours bien de terminer les choses pour pas laisser des énergies qui sont ouvertes à tout ce qui peut venir à nous. Merci. On a une question de Catherine, mais je pense qu'on a déjà répondu à ça. Comment savoir si on n'influence pas la réponse du pendule? Bon, sache qu'on en a répondu en début d'émission par rapport au fait de se vider la tête, etc. Voilà, donc c'était. Je t'invite, Catherine, si tu veux, à reprendre le replay tranquillement de ce live. Tu verras, Chantal a vraiment bien détaillé la manière de se connecter à son pendule, de savoir s'il est fiable ou pas, comme on disait en fait. Est-ce que nous sommes fiables dans un bon état pour travailler avec le pendule ou pas? J'ai juste rajouté une petite chose par rapport à ça. Si vous Oui? avez peur de ce qui peut arriver quand vous posez une question au pendule, c'est de penser à autre chose. Donc, vous posez votre question et puis vous dites, oh là là, il faut que j'achète des tomates pour faire ma sauce tomate de ce soir. Votre pendule répondra oui. D'accord? Donc, si vous posez une question et que vous pensez à autre chose, et ça peut être en un quart de seconde, des millièmes de seconde, on va dire, votre réponse, elle va être complètement fausse aussi. Donc, si vous avez peur de partir ailleurs, parce que ça peut arriver quand on voit ce pendule tourner, posez la question plusieurs fois pour que vous soyez concentré sur la question que vous posez. Donc, je ne sais pas, le job A est meilleur que le job B, oui, non, et vous répétez, le job A est meilleur que le job B, le job A, etc., pour que vous soyez bien concentré sur la question à poser et ne partez pas ailleurs. Alors là, votre pendule va partir avec vous. Exact. Après, il y a la question du est-ce qu'il faut le dire à haute voix ou mentalement, ça encore, c'est une convention de soi-même avec soi-même finalement. Oui, Si c'est chacun fait perso. comme il veut. Moi, je le fais mentalement toujours parce que j'aime bien avoir un espace. Je vais dire bien avoir cette bulle. J'appelle ça toujours une bulle de radiesthésie. Quand je pose mentalement. C'est comme si je rentrais un petit peu à l'intérieur de moi. C'est comme si je rentrais aussi à l'intérieur de mes énergies. Que lorsque je parle, j'ai l'impression de ne plus être vraiment avec mes énergies. Mais ce sont mes impressions, donc c'est vraiment là à vous aussi de vérifier ce qui fonctionne le mieux. Je le dis à voix haute ou je le dis à voix basse ou mentalement. Voilà. C'est vraiment là
il n'y a rien que je ne peux pas vous dire, c'est comme ça. C'est vraiment en fonction de qui vous êtes et de ce qui fonctionne mieux avec vous. Moi, le fait de parler à voix haute, on va dire, me déconcentre. Donc, c'est chacun son protocole, finalement, sa manière de travailler avec son pendule. Valie, je crois que tu n'as pas bien écouté. Hein, elle disait, le pendule tourne à l'envers des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce que ça veut dire, Chantal? Alors, c'est là où on met des gommettes vertes, des gommettes rouges. C'est ça. Donc, Valie, quand on fait un oui ou un non, chacun possède son oui et chacun possède son non. Donc, tu peux avoir un oui qui va à l'inverse des aiguilles de la montre. Peu importe, ce sera ta convention qui peut changer au fur et à mesure du temps en fonction de ton évolution énergétique. Voilà, ça va, Valie? Est-ce que j'ai bien répondu? Je pense, ça, oui. Merci à nouveau. Oui, aïe, merci à nouveau. Mais voilà, Valie. En fait, l'idée, c'est vraiment de poser la question simplement au pendule, de dire comment est-ce que tu me fais un oui, est-ce que tu peux me dire un non. Et voilà, il va réagir, oui. Soit tout droit, soit à l'endroit, soit tourner à l'envers. Voilà. Peu importe. Ouais, voilà. Et dans la question, elle est très simple. Hein. Fais-moi un oui, fais-moi un non, bouge pour un oui, bouge pour un non. On va dans les questions, on va dans les demandes simples, précises. Voilà, bouge pour un oui, bouge pour un non, fais-moi un oui, fais-moi un non. Et instantanément, on doit avoir quelque chose. Et le quelque chose, ça peut être « je ne bouge pas ». Voilà. Aussi, c'est ça. Merci pour toutes ces précisions, Chantal. C'était très intéressant, cette découverte du pendule avec toi. Si justement vous avez envie d'aller plus loin avec le travail du pendule, donc là on vous a expliqué, alors je récapitule, un c'est se protéger, avoir de belles énergies, bien tenir son pendule, se vider la tête, l'esprit, etc. On peut purifier son pendule, peut purifier le lieu, établir une convention au début avec son pendule de comment il dit oui, comment il dit non. Bref, si c'est les grandes lignes, mais si vraiment vous voulez travailler plus en avant avec ça et avec Chantal pour en savoir plus sur l'utilisation parfaite au summum de votre pendule, je sais que tu proposes des formations justement pour travailler alors en énergétique, en soins énergétiques ou en radiesthésie avec son pendule. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation? Oui, alors là, moi je suis très basée sur les soins énergétiques en radiesthésie parce que plus on a de bonnes énergies en soi, plus on peut changer sa vie. Et donc, vous avez vu que j'ai pas eu une vie facile, je l'ai dit très brièvement, mais pour avoir une belle vie et attirer des choses à soi, avoir un niveau d'énergie élevé est très, très important et on peut y arriver grâce au pendule. Donc, avec cette formation-là, cette formation va vous permettre d'avoir tous les secrets de la radiesthésie, donc comment bien poser vos questions, parce qu'il y a encore plein d'autres choses à dire par rapport à ça, mais aussi comment travailler sur vos énergies, vos chakras, vos méridiens grâce au pendule, comment vous purifier grâce au pendule et avec des techniques super géniales qui m'ont été soufflées grâce à mes guides où vous allez pouvoir travailler sur vos maisons aussi sans devoir la purifier à chaque instant, travailler sur vous sans vous purifier à chaque instant. Donc, c'est vraiment des méthodes... Une méthode unique qui, quelque part, m'a sauvé la vie aussi, moi, parce que, bah, voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis passeuse d'âme et donc j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à aider les âmes à passer de l'autre côté et je me purifiais toutes les 3 secondes. Et grâce à ça, j'ai pu avoir une technique extraordinaire qui m'a beaucoup aidée, que je partage dans la formation. Merci beaucoup pour ces détails. Justement, donc une formation qui est, comme tu l'as expliqué, très complète. Donc, c'est une formation en ligne, ça on l'a peut-être très précisé, c'est une formation en ligne que vous pouvez faire chez vous avec des exercices pratiques. Ça tombe bien parce que Valie nous dit justement merci infiniment à toutes les deux pour vos sourires, vos bienveillances et toutes ces belles explications. Maintenant, on passe aux travaux pratiques. Et bien justement, dans cette formation-là, il y a aussi des exercices pratiques pour savoir bien manipuler, bien utiliser son pendule. Oui. Et il y a aussi des bonus additionnels que tu offres à cette formation comme des exercices complémentaires encore pour augmenter son taux vibratoire. Oui, etc. Il y a par exemple dans les bonus, donc il y a beaucoup d'exercices pratiques. On va regarder quels sont les déséquilibres énergétiques. Vous allez déterminer quels sont vos déséquilibres énergétiques et les harmoniser, bien entendu, donc les enlever. Vous allez aussi déterminer si votre corps va bien, si votre alimentation vous convient.
Hein, voilà, parce que moi, par exemple, on m'a toujours dit les noix de cajou, c'est top. Et pour moi, les noix de cajou, c'est toxique. C'est grâce au pendule que je l'ai su. Voilà, parce que j'écoutais pas mon corps, il faut dire ce qui est. Voilà. Mais à côté de ça, on a vu qu'il fallait que le mental soit aussi apaisé. Et donc, il y a plein de bonus qui sont des méditations. Et il y a aussi un mois et demi de développement personnel énergétique, une méthode que j'ai mise en place où on tapote sur des points d'acupuncture pour encore augmenter notre niveau d'énergie et travailler sur notre émotionnel. Parce que pour aller bien, il faut que nos énergies aillent bien, notre corps aille bien et que notre émotionnel aille bien. Et il y a tout ça dans la formation. C'est génial. Donc vraiment un pack complet, une formation en ligne pour les soins énergétiques et en radiesthésie. Oui. Et puis il y a autre chose de très sympathique sur lequel je suis tombée, que tu proposes aussi, c'est une retraite énergétique dans le désert marocain. Oui. Tu peux nous en dire deux mots, quoi? Ben, voilà, c'est du 14 au 21 octobre, donc préparez vos valises. Et, là, on va aux portes du désert, ce qui est très intéressant parce qu'on est dans un autre monde, on est en dehors du temps. Donc, dès que vous arrivez, vous ne savez plus l'heure qu'il est, etc. Et on va, en fait, regarder cette formation, on va faire ensemble cette formation, donc en présentiel. Le matin, on travaillera sur vos énergies en présentiel. Les après-midi, on travaillera sur votre émotionnel. On fera un gros nettoyage énergétique de vos vies antérieures, de vos blessures du passé, mais aussi on ira se connecter à votre âme et on se connectera aux animaux et aux lieux qui nous entourent. Donc pendant, ça va être 4 jours intensifs où vous allez apprendre plein de choses et changer plein de choses pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Et tous les outils que vous recevrez pendant ce stage, vous les aurez chez vous à la maison puisque vous aurez en bonus la formation en ligne aussi. Donc, vous pourrez continuer le travail chez vous. Eh bien, c'est tout un programme. Ouais. En plus, c'est bien parce que ça permet peut-être de sortir de son cadre habituel, de se couper de toutes nos préoccupations du train-train, parce que là, on est dans un environnement complètement différent. Donc, ça peut aussi aider justement à cette pratique de la radiesthésie. Oui, ça aide énormément. Parfois même, je suis époustouflée de voir comment, en très peu de temps, il y a énormément de changements dans les énergies des personnes, parce que là, il n'y a plus d'heures, on n'est pas embêté par ce qui nous entoure, on va dire, le monde extérieur est loin, et on est entre nous, et donc le fait d'être en groupe avec des personnes qui ont la même envie que nous, ça donne une énergie énorme, et donc oui, il y a énormément de changements, j'ai vu des gens qui se connectaient à eux, qui se connectaient au lieu, à une facilité phénoménale et qui utilisaient après leur pendule 10 fois plus facilement aussi. Génial. Merci beaucoup pour ces précisions, Chantal. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur Chantal ou faire un soin énergétique ou aller dans ces formations, justement, que ce soit le stage en ligne ou la super retraite dans le désert marocain, eh bien, vous pouvez retrouver Chantal sur ses réseaux sociaux. Donc, il y a la page Facebook. Vous tapez sur Facebook Chantal Radiesthésie, vous allez retrouver sa page. Ou sur YouTube aussi, il y a sa chaîne Chantal Énergie. Vous allez pouvoir avoir des bons conseils grâce à toutes ces vidéos. Et si vous voulez justement vous inscrire au stage, donc que ce soit le stage en ligne sur les soins énergétiques en radiesthésie ou le stage justement dans le désert marocain, donc avec tout le faste et tout l'environnement propice pour ça qui se passe donc du 14 octobre au 21 octobre, vous pouvez aller sur le site internet de Chantal, www.chantalverheyen, donc ça s'écrit comme vous l'avez là à l'écran. De toute façon, vous avez comme d'habitude tous ces liens-là disponible sous la vidéo au moment du replay, c'est-à-dire dès qu'on aura fini ce live, n'hésitez pas à aller cliquer sur ces liens. Il y a même les liens directs pour les formations et pour la retraite dans le désert. Donc voilà, vous avez de quoi vous occuper voilà, pour cette fin d'année avec un stage riche en oui. Découverte. Parce qu'en généralement, quand on travaille avec le pendule, peut-être qu'on arrive à faire un travail sur soi aussi quelque part. Non, c'est aussi ça, le pendule. On va travailler aussi sur l'inconscient grâce au pendule. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps et qui est juste exceptionnel. Ça vous fait avancer d'un pas énorme. Mmh. Donc oui, on va faire plein de choses. Et puis après, moi, je m'adapte aux demandes. Donc quand il y a les moments de repos, ce n'est pas toujours le repos pour moi parce que je suis là pour vous faire des guidances, je suis là pour vous faire un soin,
pour, enfin voilà, je suis là en, dans, et alors surtout, c'est dans la bienveillance et dans plein d'amour. On vit des moments voilà, extraordinaires. Magique. Merci Chantal. Eh bien, en tout cas, merci. J'espère que vous avez apprécié cette découverte du pendule, que ce soit avec votre pendule préféré ou avec une chaînette. J'espère que ça a bien fonctionné pour vous. Si vous avez suivi les conseils de Chantal, normalement, il n'y a pas d'accroche. Et comme dit, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur son site internet, je vous le rappelle, www.chantalverheyen, si je prononce bien, .com. Excuse-moi si je prononce mal. en tout cas, voilà. Vous avez tous les liens aussi en description de cette vidéo pour pouvoir accéder au stage donc, de soins énergétiques en radiesthésie qui est proposé 100% en ligne ou alors profiter d'une superbe retraite énergétique dans le désert marocain pour travailler encore une fois sur vous, avec votre pendule et vous bénéficiez en plus de cette formation en ligne. Ça se passe du 14 octobre au 21 octobre. Tous les détails sur le site de Chantal, www.chantalverheyen.com. Voilà, merci en tout cas Chantal d'avoir été avec nous ce soir pour tous ces bons conseils. Merci de ton invitation et merci à toutes les personnes qui étaient là pour cette bienveillance. C'est toujours agréable d'être entourée par des belles personnes qui sont là, qui nous apportent une belle énergie aussi. Exactement. Merci. On a beaucoup de merci, beaucoup de petits cœurs dans le chat. Merci en tout cas à toutes et à tous de votre participation. Je te dis à bientôt Chantal. Bonne soirée. Merci beaucoup Nathalie. À bientôt et au revoir tout le monde. Moi, je fais toujours des bisous à tout le monde. Pareil. Oui. Je fais ça aussi. Tout le monde. Belle soirée. À bientôt. Bonsoir Chantal. Pour la suite, n'oubliez pas les petits rendez-vous à venir. Je voulais juste vous rappeler ceux de cette semaine, en tout cas les rendez-vous les plus proches. Le prochain, c'est demain. Ça passe vite. Hein. Demain, mercredi 24 mai à 21h. Vous serez entre les mains de Stanislas Delorme qui reçoit Géraldine Prévost-Gigant pour parler justement de la magie de l'amour. Ah, on y était presque avec le pendule aujourd'hui dans cette connexion à l'amour, dans cette connexion à soi. Donc justement, Stanislas sera demain en live à 21h avec Géraldine pour vous parler de la magie de l'amour. Et pour ma part, eh bien, je vous retrouve eh bien, cette fois-ci avec Stanislas. C'est un rendez-vous, on ne fait pas un coup l'un, un coup l'autre, on sera tous les deux ensemble cette fois-ci. C'est jeudi prochain, donc jeudi 1er juin à 20h30, pour vous parler justement à la fois numérologie et à la fois tarot, puisque ensemble nous allons décoder numérologiquement le tarot de Marseille, c'est-à-dire on va travailler sur la force de la numérologie dans le tarot à travers les 22 arcanes majeures. Ça se passe bien sûr jeudi 1er juin en compagnie de Stanislas Delorme et moi-même. Notez bien ces petits rendez-vous si vous ne voulez rien manquer de la suite du programme. Pour ma part, eh bien, je vous dis à bientôt, à très vite. Je vous embrasse comme elle le fait Chantal, comme je vous le fais d'habitude aussi. De gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Bye tout le monde.